Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour du Feed the Turtle en compagnie d'Epefort, le petit bonhomme, ici. Coucou, 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 coucou. Donc, précédemment, nous avons essayé de faire notre ASU, sauf qu'on a vu ce qu'il fallait comme craft. Ah, c'était pas simple. Donc, du coup, on s'était laissé sur l'assembly de machine quand il faisait le data controller. Data storage circuit. Et j'ai encore un creeper qui m'énerve. Putain, ça m'a foutu le... Ça m'a fait peur. J'ai toujours peur qu'il en revienne de... Non, bah il est au-dessus en fait. Bon, fais rien. Du coup... Je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être au-dessus, en fait. Ok. Ok, ça j'aime. J'adore comme source. C'est... C'est dingue. Enfin bref, on va continuer notre petit circuit parce que sinon ça va pas vous plaire et j'aime pas trop non plus. Hop, hop. Je suis sûr quand même qu'il est là-haut. Hein. Hop, bonjour. Ça va? Ça va. Bon, bah voilà. J'ai encore découvert un truc. C'est qu'on a un accès sur le toit. Bon, bah c'est génial. Hop. Voilà. Je vais quand même reboucher un petit peu par là. Je vais reboucher vite fait. Toc. Toc. Là, désactive l'auto-jump. Yep. On continue. Donc, on va essayer de continuer notre AESU. On devait faire le Computer Monitor. Donc, on s'était laissé sur ça, le Data Storage. Maintenant, il faut lui dire que on doit faire un Data Control Circuit. C'est pour ça que des fois, j'ai laissé... des fois, non, c'est même sûr, j'ai laissé une place supplémentaire pour faire l'assemblée de machine. En supplément. Pour en faire une de plus. Voilà ce que ça me coûte pour faire une Data Orb. Ça, le temps, ça. Ceci se fait par deux façons. Iridium Plate, 4 circuits, 4 contrôles, sans fil 1, sans fil 4. Ou on peut le faire différemment avec un processeur circuit board qui se fait une Platinum Plate et un circuit. Moi, sachant que j'ai de l'iridium et que je peux en crafter, en crafter facilement, du coup, je peux lui demander d'en faire. Bon, alors. On va voir si on peut l'implémenter directement. Oui, on peut l'implémenter directement. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Tac. L'encode. Oh là, et j'ai loqué, je ne sais pas pourquoi. Alors, sans build machine. Oh, oh, oh oui. Ah merde, oui bon bah. D'accord, oui d'accord. C'est un circuit avancé d'égal 4 comme ça. Ah oui d'accord. 7. Ah 8 comme ça. J'en fais 4 direct. Un circuit avancé. Je vais lui en demander 12 de plus. Directement, comme ça, rien. Ça c'est fait. Hein.
Tac, tac, paf. Voilà. Ce qui veut dire que dans l'assembly machine qui est là, il y a le craft qui fait ça aussi. Ok, non. Ça, ça va là, et ceci va là-dedans. Voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Il y a pareil comme ça, mais en lapotron. Qu'on fera justement pour ça, directement. Et là, bon, c'est un peu plus short, puisque c'est des tungsten plates, iridium aussi, et lapotron. Bon, il y a cette version, ou là, toujours la version du processeur board, qui en fait qu'un seul, mais bon, pour le prix, ça revient plus cher. Donc, on va faire directement ça, avec les tungsten plates. Donc c'est du tungsten, d'accord, ok, ça, voilà. Non mais il faut deux plates, il faut les mettre là-dedans, sinon il faut les mettre là, c'est 9 fois plus en fait, hein. Vous voyez, c'est juste 9 fois plus. Peut-être pas au niveau du temps, mais même c'est sûr, au niveau du temps, ça a complètement changé. Alors, je vais mettre l'émeraude, voilà. Je vais me vider complètement l'inventaire, comme ça, tout beau, tout propre. Bon, ensuite, du coup, computer, voilà, data orb. Le data orb, c'est un data control circuit plus 8 et non 4. Vous voyez, rien que ça, ça fait déjà mal. Et sachant qu'il en fout tout. Donc, vous voyez, rien que pour ça, c'est tu en fait. Là, il est en train de me faire le reste. Normalement, il y en a déjà 4. Et par contre, c'est un peu chiant, c'est que j'ai toujours du hockey en fait. Mais bon, je ferai en tout cas une pause le temps que justement les ingrédients se font parce que c'est tellement lent. Ça peut durer très longtemps. Oh, enfin. Donc du coup là je vais demander des ouais, je ne sais déjà plus des data, voilà. Il m'en faut, bah il m'en faut hein. Voilà, je lui demande ça. Voilà. Là, il va regarder ce qu'il faut comme craft. Directement. Donc, c'est 4 iridium plates. Avec 4 advanced alloy et 1 diamond. Pardonnez-moi. Il y a un diamant industriel. Qui permettent justement, une fois imposé dans l'implosion compresseur, une iridium plate. Et après, il faut tout. Oh! Eh, hey, j'en ai marre de ce hockey, c'est dingue. Il faut tout. Là, c'est l'iridium qui est en train de se faire petit à petit. Voilà. Ici, c'est toujours si fou, les gens. Hop, on va attendre qu'il va passer dans l'implosion compresseur. Allez. Allez, c'est quand tu veux. Hein. Ok, il a déjà pété. Voilà, une iridium plate. Ça renvoie directement dans le système. Voilà. Il me dit qu'il est fait. Je vais quand même vérifier. Et fait. Effectivement, il est déjà fait. Alors, je vais en prendre un, puisqu'il m'en faut qu'un pour moi. On retourne encore dans le craft, et il m'en faut 8. Voilà. 8. J'en commande 8. Là, il va me dire qu'il manque des emerald plates. Forcément, les emerald plates, je lui ai pas dit qu'il faut les faire en bloc, et une fois en bloc, en plate. Donc, voilà. Bloc, ensuite émeraude,
plate. Donc on va faire émeraude. On va la foutre là-dedans. Je vais en mettre deux directement. Voilà, j'en ai 9. Je vais quand même vérifier pour être vraiment sûr que ça en fasse 9. Parce que si on fait un décalage au niveau du... Voilà, il m'en faut... Ça en fait 9, sauf qu'il m'en faut que 8. Voilà. Même si ça en fait 9, il faut lui dire que ça en fasse le nombre exact par rapport à ce qu'il a demandé. C'est très important. Si on en met 9, par exemple, on nous commande 64, il va en faire que 7 x 9, 63. Donc là, il sera obligé d'en faire un de plus, parce qu'il va lui en manquer. Mais si, justement, non, comment on dit ? Bon, au bout d'un certain nombre on lui en demande beaucoup d'un coup, il va un moment bloquer puisque vous n'aurez pas mis assez d'émeraudes. Bah, lui, il n'aura pas injecté assez d'émeraudes pour pouvoir faire le tri. Et j'en ai marre de jouer. Bon, alors, le data. Normalement, data, voilà, c'est ça et ça. Donc, c'est l'assemblée de machine. Assemblée de machine, voilà, il est. Il est en train actuellement de se faire. Ok, ça en fait qu'un. Bon, alors, pendant ce temps, je vais éviter, peut-être éviter quand même de couper. Je vais juste vous montrer. Ouais, j'allais me dire, si je prends le plan de 64, il y a un problème. Peut-être parce que je suis en chute. Ouais, t'affiche. Juste triste. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, justement, en attendant le data orb, on peut lui dire de faire ceci. Alors, ceci, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop cher. C'est vraiment pas trop cher, c'est juste de l'alium en play. Ça va. C'est pas donné non plus, mais... disons que c'est... Ah, c'est de la soltarite. Ah, je pensais que c'était encore autre chose. Lapis. Ah, lapis, soldarite. Soldarite, lapiteuse. Soldarite. Soldarite. Da. Bah, j'en ai pas. J'étais sûr d'en ramener de laine. Blue dye, lapis. Indigo, sodalite, l'espo, da. Ah, bah j'en ai pas. Oh, j'en ai plein encore là. Ah bah... ouais. Aluminium. Ah, j'en avais encore là. Wouah. Oh, j'en avais encore plein là. Ok. L'avantage de faire toujours ces fonds de tiroir en fait. Encore de l'aluminium, j'ai encore du diamant, j'ai encore du saphir, j'ai une cinnabar, j'ai encore. Wouah, j'ai pas fait l'inventaire complet. Ça c'est quoi, de l'osmium? Ah bah. Elle est bonne celle-là. Ah oui, d'accord, j'en avais bien compris. C'est juste moi qui sais... Ouais, qui sait pas. Alors, du coup, bah comme c'est ici, tac, tac, tu vois, il y a de l'olivine en plus. On va savoir quel est le plus rentable. Le macérateur, qui est pulvériseur, ça en fait 2. Le grinder, ça en fait 12. Ça, ça... Crusher qui en fait 12 aussi. Du coup je suis un peu obligé de le mettre dans le crusher.
trouve, il est en train de traiter des choses. Donc, je vais lui dire de traiter ça en priorité. Ça, je vais refoutre dans le réseau. Hop. Comme ça, je ne suis pas forcément derrière lui pour lui dire de faire ça. Hop, hop. Alors, est-ce qu'il est terminé, lui, là-bas? Quand même vérifier. Voilà, il a déjà préparé les autres qu'il y a à faire, et lui, il est en train de terminer le premier. Vous voyez, comme c'est très très lent pour faire juste une AESU. Alors, c'est juste une AESU. Sachant que après il m'en faudra 4. Donc, je l'ai lancé par exemple la nuit. Je m'assurerai bien qu'il y ait tout. Normalement, il y a tout, vu 360 émeraudes, je pense qu'il y a assez. Hein. Des iridiums, ça se fait dans le modulaire transfo. Il y a assez, hein. Franchement, il y a assez. Après, je lui en demande 4. 4 iridium de plus. Et je ferai le l'under chest moi-même. Et puis comme ça, j'ai plus de sous. Donc, vous voyez, c'est... C'est voilà, quoi. C'est du circuit. Et sachant que derrière, bah, j'enlèverai les MFSU. Je ferai directement les 6 ultimates collés à la place des, voilà, des MFSU, j'aurai l'AESU, donc ceci, sorti en 2048, vu que c'est des transfos en dessous, et directement implémenté là-dessus, vu que ça soit du 10 000, je ferai un petit peu mieux, ça veut dire que je mettrai l'idée celui-là, ici, là, comme ça il sort de 1892 constant, plus 2048, plus 2048, plus le reste sur les côtés, il va envoyer du papier. Je crois qu'il est en train de faire ça deuxième. Oui, tout à fait, il est en train de faire ça deuxième. C'est génial. Voilà. Bon, alors, je peux directement lui dire, par exemple, de lui faire les dates, les datas directement. Ça veut dire que, excuse-moi mon grand... Sola, Sola. Ah mais t'es sérieux, tu m'as pas pris le... Ah, d'accord, c'est du Dirty Ant. Dirty machin. Je suppose qu'il faut le mettre dans la centrifuge. Bah voyons. Bah oui. Bon, bah, je vais le mettre dans la centrifuge. Voilà. Boum. Ouais, évidemment. Hein. Donc, je vais en prendre une. Je vais juste prendre une poudre. Voilà. Pour lui dire de faire le craft là. Voilà. Soldat, soldat. Hop. Bim. Ça, il est déjà. Aluminium plate. Hop, je vais bien vérifier. Ah t'es sérieux, c'est une rouge, c'est une rose. Ouais, et en plus j'en ai pas beaucoup des roses. Waouh. Bon, un code par dessus, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais lui dire directement de faire ça. 4 et 4, 8. Je vais lui mettre là-dedans. Paf, paf. Faut que je fasse une autre assembly machine. Et d'autres trucs. Comme ça, je lui dirai que le craft là se le fait là. Comme ça, lui, il peut continuer des crafts en cours pendant ce temps qu'il ferait le reste, en fait. Et lui, il continue toujours son petit truc. Voilà, vous voyez quand... Quand ça c'est terminé, paf, je prends, je le remets là, et comme ça il va faire mon ma première data orb. Voilà. Et il m'en faudra une deuxième. C'est bien, c'est pas drôle. Allez, vous voyez comment c'est chiant des fois. Alors là, je suis obligé de laisser le craft parce que je lui donner justement le craft qu'il y a à faire. Et je peux rien faire d'autre. C'est ce genre de choses qui m'énerve un peu. Ah, ça fait déjà plus de... environ 20 minutes. Oh là. Ah, ça passe vite, hein, quand même.
Ça passe vite en votre compagnie. Vous voyez ce qu'il me faut après, il me faut des énergies, donc c'est du tungstène steel avec des lapotrons, ça, d'iridium. Là voilà. Et Pfeffer, t'es en train de péter un câble, veuillez ne pas faire attention à son pétage de câble sur Gratek. Voilà. Bonjour. Là, sinon, vous voyez, c'est très... C'est que c'est pas dur, c'est que c'est chiant et lent. Rien que ça. C'est énervant. J'adore, en plus ils disent de mettre des... comment... des lapotrons, alors que si tu fais des lapotrons avec ce genre de choses, avec des lapotrons en fait... c'est un lapotron avec une araignée... voilà. Voilà. Vous voyez comme c'est un peu chiant des fois. Ah, l'assemblée est terminée. Hop. Et je vais lui dire d'en faire une data orb. Voilà, il y en a pour 640 secondes. Donc je vais pas attendre 10 minutes de plus, hein, parce que l'épisode ça va durer très longtemps. Ça c'est quoi, un computer monitor? Ouais. Alors c'est le craft là. Paf, voilà. Et là je vais entamer ma... Ok, ouais, je vais devoir augmenter mon CPU. Ah. Mes craft auto. La 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 la. Bon, bah ok. Dire que bah le prochain épisode, on va encore continuer un petit coup Greg Tech, hein, pour vous en mettre plein la pâte, bien au fond, histoire que vous me sentiez à quel point c'est chiant, très très chiant Greg Tech. Mais bon, la difficulté fait que l'on aime, nous, malgré qu'on pète des caps devant les PC en train d'attendre, donc on prendrait pour des fous, mais bon, ça c'est pas grave. Sinon, vous voyez. Et dans le prochain épisode, si on a terminé l'AESU, ce qui m'étonnerait fortement, on va s'attaquer au CPU, donc le CPU là, de Applied Energetic, pour l'agrandir encore, pour lui mettre des modular assembler chamber plus grandes, dont des crafts automatiquement plus rapides. Voilà. Et comme il fait nuit, j'aime bien la Night Vision, parce que c'est super swag. Voilà, swaggy swago. Si vous avez remarqué aussi, faisant partie des Patrick, ça fait un plaisir fou. J'ai max d'abonnés qui... Oh. J'ai un max d'abonnés qui arrive en même temps. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Du coup, ça me dérange absolument pas qu'il y en ait arrivé en plus. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça fait toujours un plaisir fou, de toute façon. Bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais mettre une petite lanterne. Oh, c'est dans un mineshaft quoi. Oh, un mineshaft. D'accord. Eh, c'est de l'Atlas en plus. Pourquoi ça? What? Ah ouais, la lumière me fait fondre. Bon bah ok, c'est en technique. C'est pas grave. Du coup, bah, vous avez vu, je suis rentré chez Patrick. Quasiment tous les mardis, on va faire une map PVP. Comme ça, soyez tous contents. Voilà, voilà. Bon, bah, messieurs, moi, sur ce, je vais vous laisser. Une fois que c'est fait, ça... voilà, j'en ai encore pour plus de 4 minutes. Du coup, il n'y a aucun souci pour ça. Moi, je vais dormir. Hop. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, tout le monde.